C'est ainsi qu'a commencé la fantastique histoire de Stéphane Guignac. Ensuite, il est descendu au Cap de Lens, il a ouvert son fameux dancing, le Getty, qu'on appelait l'usine à mariage. C'était quelque chose, le Getty. D'ailleurs, la revue des Houillères a dit « L'orchestre des Frères Kubiak de Liévard enregistre ses Barclays, c'était grand honneur. » Alors les autres, ils ont eu peur. Odéon, toutes les pâtés Marconi. C'est qui ce Barclay qui prend toutes les parts de marché? Il faut réagir. Alors ils ont pris leur voiture, un cassigar, mais toujours pas en blanc. Ils sont allés citer Bruno à Dauge. Ils ont tapé chez un monsieur. « Toc, toc, vous êtes bien chez monsieur Kmicic ?»« Oui, oui, mais c'est Kmicic. Hein. »« Vous êtes musicien ?» Non, non, je suis mineur. Mais je joue la musique. Enfin, vous savez, monsieur Kmicic, on va éditer vos musiques, on va distribuer, puis on va partager les bénéfices. Vous êtes d'accord? Oui, oui. Alors, ça a un style différent. Hein. C'est particulier, François. C'est très polonais. Un sombrero, un boléro, polka mexicaine à Dauge. C'est ça, la culture polonaise. Polka mexicaine. Mais oui, c'est ça, les mariachi, ça vient de là. Et puis, on les a opposés, Stéphane, mais c'est pas vrai, ils étaient complémentaires. Ils étaient complémentaires, c'était différent. Alors, ils se sont tous engouffrés dans la brèche. Franck Marcy, les frères Swiderski, Konuchinski, les Kais, ils ont tous fait. Eh, il faut que je vous parle de quelqu'un, il y en a qui a fait aussi des disques. Vous avez connu Jerzy Mac? Oui. Ah là là, celui-là, il a fait un disque, les chansons paillardes polonaises. Quand je l'ai fait écouter à ma grand-mère, elle m'a tapé dessus avec la pochette de disque. Et il a même fait une chanson sur des harengs. T'es là, Yurek? Viens ici sur scène, tu vas payer aujourd'hui ce que t'as fait comme bêtise. Le grand Jerzy Mac, il est là, applaudissez-le. Viens, Yurek. Je vais me venger, parce que ma Babtcha, c'est qu'elle m'en a mis sur la tête à cause de toi. Alors, ce qu'on va faire, comme il y a une très belle chanson, il la chante très bien sur les harengs. Franchement, Luc, il n'y a que les Polacs pour faire des chansons sur des harengs. Ah ben aujourd'hui, je me venge. Applaudissez, c'est lui. C'est Jerzy Mac. Jerzy Mac, en personne. Assieds-toi. Assieds-toi. Ah ouais. Alors, ce qu'on va faire, mesdames et messieurs, c'est une grande première aujourd'hui. Lui, il va manger des harengs. On va passer la chanson et vous allez tous danser sur Schlege. Allez. Schlege! Assieds-toi avec moi! Regardez comme il était beau! Écoutez! Schlege! Allez, dansez tous! J'arrive! Allez, mange-toi! Jeszcze są już dzieci, zrobię ich surdony, tacy już dzieci, zrobię ich surdony, tacy już dzieci. Thank you.
M. Schneider. Je t'avais promis, Alix, ça a été exceptionnel aujourd'hui. Et donc c'était comme ça. L'industrie du disque s'est vraiment développée en France, dans les corons des mines, après la Deuxième Guerre mondiale, grâce à cet Olibrius. Durek, je t'aime, hein. Et puis, après ça, on avait envie de faire la fête souvent. Il faut comprendre les gens de la guerre, quand ça se termine, on peut en manger un peu, on a envie de chanter, on a envie de danser. Et on se souvient tous du mariage de Michel.